Bonjour, Béatrice. Papy raconte aujourd'hui l'histoire de Dingo qui va chez le médecin. Regarde la couverture du livre. Alors tu te souviens de l'histoire Papy va te raconter Dingo qui va chez le médecin. Ce matin, Mickey se lève tôt et regarde le calendrier. Ah oui, oui, oui. Dingo a son rendez-vous annuel chez le médecin aujourd'hui. Ah, c'est moi, Mickey, qui vais le reconduire. Ding dong. Mais il y a quelqu'un à la porte qui peut bien sonner à la maxi-porte. Ah Elle ouvre la porte et la, elle aperçoit le grand dingo. Ben tu arrives tôt Ben oui, que tu arrives tôt Mais tôt pourquoi réplique Dingo. Ah ben répond Mickey, as-tu oublié que tu avais rendez-vous chez le médecin cet après-midi Ah ça alors J'avais effectivement oublié, dit Dingo, je suis venu te montrer quelques nouveaux trucs. Tour de magie, et comme tu m'as rappelé que je devais aller chez le médecin, je vais te faire le meilleur des tours. Abra, cabra, abra, cabras le grand dingo a disparu. Ah, hey, c'était un bon tour. Dingo, où es-tu, l'appelle Mickey? Dingo, dingo. Pluto a peut-être trouvé un indice, la manette devinette, s'exclame Mickey. Ah, beau travail, Pluto! Dingo a tiré la manette de Vinette pour disparaître, alors tirons-la de nouveau pour voir où il est allé, propose Mickey. Ils ont retrouvé Dingo, il se cache au magasin de Clarabelle, dans un baril rempli de pommes. Qu'est-ce que tu fais, Dingo? demande Mickey. Une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours, déclare Dingo. Alors si je mange toutes les pommes qui sont dans ce baril, je n'irai jamais chez le médecin. C'est complètement ridicule, proteste Clarabelle. Dingo et Mickey rentrent à la maison. Daisy vient leur rendre visite et Mickey lui explique pourquoi Dingo a de l'air si anéanti. Hum, dit Daisy, ce serait une bonne occasion de jouer au docteur, Daisy, mais je n'ai pas ma trousse médicale imaginaire. On peut s'arranger, répond Mickey. Oh, tourniquette! Ah, merci, tourniquette! Dit Daisy, le médecin va examiner certaines parties de ton corps, comme tes oreilles, explique le docteur Daisy. C'est un otoscope, dit Becky. Très bien. Parti en imaginaire, Mickey le félicite Daisy. Est-ce que ça fait mal? demande Dingo. Non, pas du tout, répond Mickey. Ça alors, s'écrie Dingo. Tu es le plus, g tu as les plus grandes oreilles en ville. Est-ce que ça te fait pas mal? Euh, ça va, ça fera pas mal à, à moi non plus. Non. Alors l'examen continue. Ensuite, Daisy dit qu'elle écoutera les battements de son cœur à l'aide d'un stéthoscope. Ah ah. Alors une chance que j'ai mis ceci aujourd'hui, dit Dingo. Oh, dingo, Slav Mickey, pas ces cœurs-là, tu dev Ton vrai cœur, celui à l'intérieur de ta poitrine, t'as vu, Béatrice, il a mis des culottes en cœur. Ben non, le stéthoscope, c'est pour le cœur. Il est où le cœur de Béatrice? Daisy écoute le cœur de Dingo. Quel bruit fait-il demande Dingo. Il fait boum, 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 répond Daisy. Tiens, écoute toi-même. Qu'est-ce que tu entends, dit Mickey Fifo, fom, fom. » Ah non 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 non. Alors bonjour le monde, crie Willy le géant. Willy le géant solitaire, géant souhaite leur donner un coup de main. Ah hein, c'est quoi t'as vu l'image? Willy le gentil géant souhaite leur donner un coup de main. Quand je vais chez le médecin, dit-il, le moment que je préfère, c'est quand je dois tirer la langue et dire ah. Le médecin peut alors examiner ma gorge. Willy leur fait une démonstration. Oui, oh, oh là, t'as vu la grande bouche avec la grande langue, tous les amis y ont, y ont tombé. Dingo commence à se sentir mieux. Alors, c'est tout? demande-t-il. Presque, Daisy. Hmm, il se peut que tu fasses euh, que tu te fasses aussi vacciner. Ah! Oh. Ah oh non, s'écrit Dingo. Non, non, ne t'approche pas de moi avec cet objet pointu. Je ne suis même pas malade. Daisy explique que le médecin doit parfois nous administrer un vaccin pour nous éviter de tomber malade. Ça va être douloureux, dit Dingo. Ben non, pas autant que tu penses, lui dit Daisy. J'y pense, ajoute Mickey, je connais un truc qui utilise, que j'utilise quand je dois me faire vacciner. T'as vu, elle est en train de penser à quelque chose. Tu fais disparaître le médecin, demande Dingo. Non, réplique Mickey, je ferme les yeux, et je pense aux choses que j'aime, puis je les compte. Peux-tu deviner à quoi je pense? T'as-tu vu à quoi il pense? Il pense à des hot dogs. Ben oui, God, là. » Je pense à des dog, dit Dingo. C'est ça, affirme Mickey, je n'ai pas le temps d'en compter trois que tout est terminé. Ah, dit, c'est un très bon truc, se réjouit Dingo. Je crois que je vais compter les coupes glacées. Dingo et Daisy doivent s'en aller. Daisy leur rappelle qu'ils devront peut-être patienter dans la salle d'attente du cabinet du médecin pendant un bon moment. Vous devriez apporter un livre ou un jouet que vous aimez pour passer le temps, propose Daisy. Une autre bonne idée, je reviens, dit Dingo, je vais te rejoindre à la voiture. Nous n'attendrons pas aussi longtemps, Dingo, dit Mickey, et en plus il n'y a pas assez d'espace dans la voiture pour tout ça. Dingo réfléchit, puis il dit, si je ne peux pas apporter ces objets, est-ce que tous mes amis peuvent venir avec moi Excellente idée, Dingo, approuve Mickey en souriant. Dingo va finalement chez le médecin, il amène tous ses amis avec lui. Quelle équipe du tonnerre! T'as vu? Tout le monde est en fête, tout le monde s'amuse dans la voiture. Voilà, Béatrice, Papy t'a raconté aujourd'hui l'histoire de Dingo qui va chez le médecin. Papy a fait ça pour toi et c'est enregistré au mois d'octobre 2020. Papy t'aime.